Bonjour et bienvenue au 38e épisode de ce IMAC Show. Aujourd'hui, épisode... concept spécial, quand même le fun! Concept spécial, écoutez, c'est le barbershop. Donc, mon client Xavier et moi, Adam, qui le barber. Lui couper les cheveux. Accompagné de questions, donc Xavier, tout au long, tu vas me poser des questions. Ouais, moi, j'ai aucune idée de quoi les questions. Je pense qu'il m'a montré, mais je m'en rappelle plus. Donc, Il y a plein de sections, Section actualité, il y a une section trivia, j'ai caché les réponses. Soit des questions sur les cheveux, ouais. Ça, sinon on parle d'expérience, des armes, plein de trucs d'affaires. Vous allez voir, ça va être bon. Moi, je pense que ça va être bon. Ça va être très bon, donc c'est parti, mon ami. Madame, concentre-toi, là. je vais te couper tes cheveux. Ok, Adam, pour commencer, au niveau des filles, ok. Mm-hmm. Tu préfères-tu les cheveux longs, les cheveux courts, curly? Moi, ma coupe préférée, ouais. C'est une fille. En fait, j'aime beaucoup les filles. T'aimes les filles? J'aime les coupes de cheveux. T'sais, j'aime quand c'est diversifié, mais je pense que pour moi, le prime, c'est les cheveux sur les épaules, qui tombent sur les épaules. C'est-à-dire que c'est pas très long, mais c'est magnifique. Soit ça, soit les cheveux longs, genre quand même longs. Qu'il soit lisse ou curly, ça c'est pas vraiment important. Mais après, pas trop curly, j'aime pas. Moi ça dépend. Moi ça dépend. C'est quand ils sont bien curly, j'aime ça. Mais ce que j'aime un peu moins. En fait, non. En fait, ouais. Si par contre elle a les cheveux courts jusqu'aux épaules, c'est cheveux lisses. Sinon, genre même par étage, je sais pas si c'est quoi là. Mais elle coupe là, puis après ça fait comme. Ça c'est magnifique. Le paratage, je faisais genre il y a comme des sections. Ouais, genre c'est plus court ici, un peu. Ouais, mais moi je suis essentiellement ça mon préféré. Ça, honnêtement. Puis moi par contre, je préfère plus sur les épaules, ben honnêtement. C'est peut-être un peu plus bas. Genre je te dirais si. Ok. Ouais, je comprends. Mais sinon c'est ça. Sinon, toi ta coupe préférée chez les hommes? Ah, chez les hommes? Mm-hmm. C'est pas ma question. Je ne sais pas si. Attends, je vais m'attendre de me tourner le bord avant. Moi, ce que je préfère chez les hommes, comme coupe, ouais. C'est. Je trouve, en fait, je trouve que chez les hommes, le plus clean, le plus propre souvent, c'est les cheveux courts. Genre moi j'ai eu les cheveux vraiment longs là, puis là depuis que j'ai les cheveux courts, ma vie est juste meilleure. C'est juste, c'est tellement mieux. Ça fait en sorte que genre surtout c'est moins d'entretien, c'est moins d'affaires, genre le matin je me lève puis mes cheveux sont déjà placés, là. J'ai pas besoin de... Fax en l'air. En plus comme j'ai les cheveux vraiment frisés, c'est la raison bas. Same, je peux relate. C'est vraiment... Et t'as-tu une coupe préférée? Coupe préférée, je dirais. Taper. Ouais, mais taper, c'est la mode live quand même. C'est très beau. Taper. Avec. Avec des cheveux sur le top. En fait, tous les coupes que Neymar a eu, c'est ma coupe préférée. Ce gars-là, il est trop stylé. Ça, c'est quoi? Que j'aime bien ma coupe de cheveux. Mm-hmm. Fade? Ouais, tu fades. C'est moi qui t'ai initié au fade, non? J'essaie tout le temps faire un fade. Essentiellement, oui. Mais après, avoir fait le fade, je crois que j'ai fait un fade. Depuis non, je sais, mais comme, genre, tu vois, il y en a plein, en tout cas, dans le gang ami, ils faisaient des fades, mais ils faisaient pas des fades à blanc. Right, ouais, fact. Tu comprends? Genre, Zach, il faisait pas des fades à blanc. Ah, c'est vrai. Moi, c'est important. Alors que le plus clean, c'est ça. Fact, c'est ça. Je suis 100% d'accord avec toi. D'ailleurs, je te fais un fade à blanc. Sinon, le. Je sais pas si c'est quoi, mais. Peut-être un jour j'aurai ça comme coupe de cheveux. C'est un peu les old money, tu sais, le monde qui sont hobby old money, tu sais, ils ont des cheveux. C'est pas un fade, là. Ils ont les cheveux quand même courts, mais. Je sais pas si t'as l'image dans ta tête, là. Je sais pas, genre, c'est quoi, genre. Attends, c'est genre ça. Genre, ils l'ont comme là, pis c'est comme un peu wavy, genre, pis. Donc, tu sais ce que je parle. C'est quoi qu'ils ont là? Non, leurs cheveux sont. Y'a pas de fade zéro, genre. C'est. Faudrait que je t'envoie une marque, j'en ai pas de celle là, mais. C'est je crois que je parle qui ressemble à ça. Je connais personne qui ressemble à ça. Explique la coupe, c'est genre, ils ont les cheveux, ils ont pas de fade, ok? Ils ont les cheveux longs, ils sont genre wavy. Puis ils ont comme. Y a pas de fade, mais c'est.
Mais c'est coupé. C'est court ou c'est genre volumineux? Non. Un peu volumineux. Juste un peu, genre. C'est les cheveux lisses ou les cheveux frisés? Genre wavy. Fait que genre c'est lisse, mais. T'as aucune idée de ce que je parle. On peut pas essayer. Dans la vérité, Je vais te montrer une photo après. Imaginer, mais... je peux mettre une photo. Tu mettras une photo, je vais t'en envoyer. Tu m'enverras la photo. Ouais. Sinon, Adam, qu'est-ce que tu penses du statement suivant? Ok. A 7 out of 10 blonde is better than a 7 out of 10 brunette, but a 10 out of 10 brunette is better than a 10 out of 10 blonde. Es-tu d'accord avec ça? Écoute, moi, je fais pas de comparaison entre les femmes. Toutes les femmes sont belles. Non, ok. La vérité, je suis d'accord. Ouais. Et encore, moi, j'aime beaucoup les blondes. Tu vois, moi, je suis vraiment quelqu'un qui aime beaucoup les blondes, mais j'aime aussi les brunes. Donc, je dirais que ça dépend du visage, bien évidemment. Mais, je suis prêt à dire que 10 sur 10, brune, souvent, elle va battre la blonde. Ouais. 10 sur 10. Mais tout en dessous de ça, pour moi, blonde. Mais c'est ça que ça dit. Fait que t'es 100% d'accord dans le fait. Que je suis quand même... Mais non, parce que genre, c'est 7 sur 10, mais genre 9 sur 10, pour moi, une blonde beau aussi. 9 sur 10. Tu comprends? Ok, ouais, là, c'est là que tu vas dans la zone grise. Mais moi, ça dépend. Mais moi, au type de cheveux. Belles. En soi, ça change rien. Genre, honnêtement, là. Les... Donc 10 sur 10, c'est 10 sur 10. Mais c'est ça, genre 10 out of 10, c'est 10 out of 10. Les deux meilleures couleurs de cheveux, par contre, je suis vraiment. Moi, je dirais que c'est brun et blond. Les cheveux noirs, j'aime vraiment pas tant. Cheveux rouges. Cheveux longs, ça peut être beau, gros, mais genre rouge, j'aime pas trop longtemps. Non, moi, je suis pas fan. Mais blond platine, ça c'est tough à battre. Parce qu'il y a blond, mais genre, il y a blond, là. Ouais, ouais. Ça, c'est très dur à battre. Mais moi, j'aime blond, genre Golden Retriever. Je sais pas ce que je veux dire. Genre, j'aime blond, genre. Genre, les cheveux blonds, mais vraiment blond. Ouais, bah c'est ça, c'est. Tant qu'à avoir les cheveux blonds, elle est blonde pour de vrai quand même. C'est blond, c'est blond platine. Mets-toi droit. Donc. Sinon, toi, au niveau de tes cheveux, Adam, as-tu une préférence? Genre, est-ce que t'aimerais bien avoir les cheveux lisses? Es-tu content d'avoir les cheveux frisés? Moi, je suis très heureux d'avoir les cheveux frisés. Parce que je trouve que quand t'as les cheveux. J'aime pas les cheveux lisses. Je vais être très honnête. Je trouve que les cheveux frisés, ça rajoute de la texture, c'est tellement plus beau. Puis, genre, si j'avais les cheveux lisses, j'aurais. Aimer avoir les cheveux frisés, mais j'aurais pas fait une perm parce que je trouve ça. J'aime pas. Ben, c'est bien trop cher les perms, là. Mais, ouais, moi, honnêtement, de mon bord, j'adore les cheveux. J'aurais pas des autres cheveux que ça, honnêtement. Par contre, des fois, des cheveux, genre. Des cheveux, genre wavy, genre entre les deux, j'aurais peut-être pris ça, mais jamais lisse. Les cheveux là, je m'aurais pris. Non, moi, je suis content d'avoir pris des cheveux. Non, mais c'est juste beau, c'est. Je sais pas, c'est beau. Ouais. Genre, je suis content aussi d'avoir des cheveux frisés, genre. Genre, parce qu'il y a différents types de cheveux frisés. Ouais, ouais. Genre, toi et moi, on n'a pas les mêmes cheveux frisés. En soi. Genre, nos types de frisés aussi. C'est quoi la différence? Ben, juste dans leur texture. Genre, moi, ils sont un peu plus. J'ai le mot en arabe, mais je sais pas comment dire en français. Rough. Ils sont plus rough. Ouais. Tu comprends? Ouais. Puis, si tu prends l'exemple d'Ashraf. Ashraf, il les a frisés, semi, genre, il les a comme les cheveux noirs, puis comme les cheveux d'arabe, genre, je sais pas si tu comprends. Ouais. Genre, ça veut dire qu'il peut faire les coupes des deux. Ses cheveux sont assez denses dans le milieu. Pour pouvoir faire genre des tresses, mais en même temps. Non, moi, je ferais jamais faire ça, mais c'est ça, toi, des tresses, ça partirait vite. Genre, moi, des tresses, quand j'avais fait, ils sont partis vite parce que j'ai les cheveux en même temps trop fins, trop lisses. Genre. Ok, même toi. Ouais. Mais okay. Ben, parce que aussi, genre. Faut dire que cette soirée-là, je m'étais pas bien équipé de mes cheveux. C'était au party d'Halloween. Ah ouais. J'avais essayé de dormir avec un durag. C'est vrai, ça? Ben, il faut que tu dors avec un durag ou quelque chose. Parce que ça les tient en place. Un durag, c'est ça les tient en place? Ouais. Puis ça t'en sort, toi, exactement. C'est pour ça que ceux qui font des tresses ou des waves, ils mettent des durags. Ouais. Ils dorment même la journée. Ouais. Plus tu le mets, mieux c'est. Plus qu'ils vont être belles. Plus ils vont être belles, plus ils vont durer longtemps aussi.
Ouais, okay. Parce que j'ai payé 25$ pour une soirée. Ouais. Mais ça a valu la peine. En même temps, ton costume était malade. Ouais, ah, c'était Drake. Drake. Ah, non, c'était clean. C'était littéralement Drake. C'est quoi ton opinion sur le mouvement No Poo? C'est quoi ça? C'est que tu mets pas de shampoing? Pas de shampoing. Tu mets pas de shampoing dans tes cheveux. Dans le fond, le concept, c'est que, à force de. Genre, en soi, c'est que le marketing du shampoing, c'est. Ils ont créé c'est le marketing qui nous a convaincu qu'on a besoin de shampoing pour les laver, mais réellement, si tu mets jamais de shampoing, tu vas jamais assécher tes cheveux, puis ils vont jamais devenir gras, puis tu vas pas être dans un cycle de toujours devoir mettre du conditionneur, shampoing, conditionneur, shampoing. Donc, moi je trouve. Non. Moi, ce que je trouve qui est bon, c'est de mettre du shampoing une à deux fois par semaine, avec du revitalisant, mais sinon, c'est comme c'est un équilibre. C'est moi, non, pas de shampoing. Tes cheveux, ils deviennent sales. Mais confession, Adam, c'est ça. Tu mets pas de shampoing. Ouais. Puis avoue, mes cheveux sont zéro dégueulasse. Tu mets jamais, jamais de shampoing. Ça fait 6 mois que j'ai pas mis de shampoing. Ben ouais, ils sont chill. Mais. Mais ça peut pas faire. Ça peut pas. Ouais, mais ils sont pas si pires. Non, non, mais c'est normal. Mais en même temps, moi, je trouve pas que c'est laid des cheveux gras. Parce que quand ils sont. Genre, quand ils sont un peu gras, ça fait en sorte qu'ils ont une belle texture et qu'ils sont un peu. Sont beaux. Ils sont malléables. Tu comprends? Non, je suis d'accord. Non, mais. Faut pas qu'ils soient secs non plus. Là. Moi, j'ai eu longtemps les cheveux secs, quasiment noirs. C'est pas le fun non plus. C'est juste que, dans le fond, depuis que j'ai eu les cheveux courts, j'ai commencé à faire. J'ai testé un moment donné, je l'ai pas lavé pendant 2 semaines. Je sais pas ce qu'il y avait. Peut-être que le premier été, on était au Bosco Basic. Peut-être que j'ai pas lavé mes cheveux ou quelque chose de même. Puis j'ai réalisé que les cheveux étaient pareils ou juste, ils étaient quasiment mieux. Fait que je me dis pourquoi je me lève les cheveux. Puis ils deviennent gras un jour après. Fait que en soi, si je trouvais ça de la merde, fait que je fais ça. Puis moi, je trouve que mes cheveux, en soi, j'ai zéro. Mais ouais, c'est bien. Moi aussi, c'est comme ça que j'ai commencé à mettre moins de shampoing. Genre une fois par semaine. Ouais. Parce que, genre, je mettais du shampoing à chaque jour. Puis mes cheveux, c'était juste jamais. J'étais jamais. Il devenait trop volumineux ou il devenait trop. C'était bizarre. Non, puis moi, dès que je mets du shampoing, je suis dans la douche, mes cheveux sont genre crissement statiques. Je sais pas, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Mais ça dépend de tes types de cheveux. Genre, pas tout le monde peut faire ça. Ben, c'est ça, c'est sûr que ça, en fait. Mais moi, ils sont vraiment fins. Fait que genre, souvent, qu'ils gardent moins le gras, je sais pas, mais je considère ça quand même. I don't know. Alors, au niveau des stéréotypes des cheveux, est-ce que tu trouves qu'un gars avec les cheveux longs, justement, parce que tu sais, toi, t'aimes avec les gars avec les cheveux, t'aimes juste les cheveux courts, genre, chez les gars, ça te fait penser à du fab, genre. J'aime aussi. Non. Est-ce que tu vois bien avec les cheveux longs? Mais, toc ou pas de toc, genre, les cheveux longs? Non. Tu sais qu'il y a un stéréotype autour de ça? Moi, je pense pas. Il y a un stéréotype autour de ça pour les plus vieux. Tu comprends? Ouais. Les personnes plus âgées, un homme, ça a les cheveux courts, les filles, ça a les cheveux longs, c'est un gars, t'as les cheveux longs. Puis encore, ça dépend comment t'as les cheveux longs. Tu vois, moi, j'avais. Genre là je me suis coupé mais j'avais les cheveux vraiment très longs, mais mes cheveux trois podcasts ça allait là. Le dernier là, ouais, il y a 2 podcasts vraiment. Puis j'avais les cheveux vraiment longs mais j'avais pas l'air d'une. Mais ils étaient pas tant longs, puis toi ils te frisaient. Ils étaient vraiment longs sauf que les quand je les mouillais, ils tombaient sur le côté, tu comprends? Quand fou ça. Ils tombaient là. Ah ouais non c'est vrai quand t'allais. Quand tu te baignais genre dans la piscine, mais. J'avais vraiment les cheveux, puis si je les mettais par en arrière, ça me faisait comme si j'avais une coupe. Je peux m'attacher les cheveux. Ouais, c'est vrai, tu t'attaches les cheveux à un moment donné. Tu comprends? On oublie que t'avais fucké les cheveux. J'ai les cheveux fucking longs, man. Mais en soi, je suis d'accord avec toi, il y a juste pas ce stéréotype-là. Pas vraiment de stéréotype. Le concept des stéréotypes de base, c'est clair, moi je trouve. Ben non. Ben les stéréotypes, en fait, c'est juste. C'est quelque chose qui a été ça un peu. Puis que c'est comme ça marque l'esprit. En fait, j'ai appris mon dernier cours de sociaux dans le livre dernier. Ouais. La définition d'un stéréotype. Ça vient du latin. Ça veut dire genre marque temporelle, quelque chose comme ça. Ça fait en sorte que les gens, ils ont vu quelque chose à un certain moment, puis ils l'associent. Ouais. Mais c'est normal que ton cerveau fasse ça. Ben oui. Ça t'est-tu déjà arrivé de te couper les cheveux, puis t'es parti du barber, puis t'étais genre bro. What the fuck? Ça, c'est l'histoire de ma vie. Ouais. Toute ma vie avant, quand j'étais petit, ouais. Je pense que de mes 0 à mes 16 ans, je n'ai jamais été satisfait d'une coupe de cheveux. Je suis tout le temps parti en pleurant. Chaque fois tu pleurais? Chaque fois je pleurais. Parce que j'aimais pas ça, puis surtout j'allais à des coiffeurs qui comprenaient pas mon type de cheveux. J'allais chez. C'est ma mère qui me ramenait. Soit c'était ma mère qui me coupait les cheveux, soit c'était. Mais c'était même pas. C'était pas les pires fois. Les pires fois, c'est quand j'allais chez des coiffeurs.
genre un salon de coiffure. Ouais. Puis qui comprenaient pas mon type de cheveux parce qu'ils avaient pas des clients arabes. Puis ils étaient juste pas capables de me couper les cheveux. Ils faisaient des coupes comme si j'étais, comme si j'avais les cheveux lisses ou comme si j'avais les cheveux fins. Alors que j'ai pas ça. Fait que ça sortait que je sortais de là-bas et j'avais des épines partout. C'était, j'haïssais ça. Ouais. Tu comprends? Moi quand j'étais petit personnellement, j'ai toujours été correct. Except une fois justement, je me rappelle. Nous, en fond, on avait un coiffeur pour toute la famille, on allait à toute la famille. Là, j'étais le dernier à faire couper les cheveux. Après, il m'a juste genre tombé à la fin, genre devant le miroir. Puis j'ai vu ça, j'étais genre, oh my god. En soi, il n'y avait rien de grave. Mais là, ouais, après ça, on est parti de là-bas, puis après ça, j'ai juste commencé à brailler. Ben oui, un petit gars qui broyait à cause des cheveux. Moi, puis ça me faisait brailler. Puis là, ma mère, elle sentait mal pour moi. Ouais, moi aussi, c'était surtout ça. Sauf que genre moi je broyais tellement que ma mère à un moment donné était juste énervée. Ouais, moi c'est juste arrivé une fois que j'ai pleuré, j'ai pleuré ma mère. Elle était là pour me consoler. Merci maman. Merci Julie. Mais ça je peux comprendre. Parce que c'est pas facile quand t'es petit là. Moi je voulais avoir une bonne coupe de cheveux puis j'arrivais pas. Puis à un moment donné je voulais avoir les cheveux lisses quand j'étais petit. Mais je pouvais pas parce que moi j'avais les cheveux frisés. Ouais. Je trouvais jamais personne qui me coupait les cheveux. Jusqu'au jour où j'ai découvert mes confrères Eleven Cut. Et quand j'ai découvert ce salon de coiffure-là, Ta vie a changé. Ma vie a changé, je suis sorti de là, un homme nouveau, une belle coupe de cheveux, une coupe de cheveux qui me correspondait, qui me ressemblait. Puis j'étais tellement genre content, je sortais là-bas. Et encore aujourd'hui, quand je sors du barber, je me sens tellement frais, tellement beau, tellement prêt à... Tu comprends, ma confiance est... Ouais, mais... Il y a 10 000. Il y a tellement de confiance associée aux cheveux. Un good hair day, parce qu'il est tellement en business. Parce que tu parais fucking beau. Ouais, mais ça change. Dans le fond, c'est juste les cheveux qui t'en diffusent, genre. Mais les cheveux, je trouve que ça paraît... Genre quelqu'un qui veut être beau, hein, faut qu'il y ait une belle coupe de cheveux. Ah, non, je suis d'accord. Puis en soi, les cheveux, c'est la seule affaire que tu peux contrôler, genre... Quand tu te lèves, tu peux pas changer ta face, genre, mais tu peux mettre des beaux cheveux, puis ça. Tu peux mettre des beaux cheveux, une belle coupe de cheveux. Ça donne la confiance. Donc, toi, puis ça change aussi ton visage. Moi, depuis que je me suis coupé les cheveux, j'ai le visage, genre, au lieu de l'avoir sur le long, j'ai le visage vraiment plus. Ouais. Tu comprends? Au lieu de sur le large, je vais sur le long. Puis on voit mieux mon visage aussi. Puis les gens, ils voient à quoi je ressemble, ils me disent, ah, nanana. Puis comme je suis super beau. C'est. Même moi, avant, j'avais les cheveux longs jusque-là. Littéralement. Les gens ils te reconnaissent plus. Hein. Oh, mais. Genre, on vous dirait littéralement pas que je suis la même personne, genre. Puis littéralement. Tout le monde te voit d'un œil différent après. Je sais pas si tu comprends. Genre, une coupe de cheveux là, ça change tellement une personne au point que tu peux devenir fucking beau, là. Dans les yeux d'une personne, tu peux devenir fucking lettre. Je suis d'accord. Des fois, je vois du monde dans la rue, je me dis, ce gars-là, là, s'il fait cette coupe-là, genre. Il serait. Ça change sa vie, là. Ben, littéralement. Ou je sais pas si t'as vu les vidéos des sans-abri. Qui se font couper les cheveux, après ça, ils ont de l'air fucking propre. Ah, tu pourrais aller prendre une job, ça change la vie, littéralement. Ah, c'est vrai. C'est là qu'on réalise, on se coupe pas les cheveux. Je me suis coupé les cheveux cette semaine, jeudi, puis mon barber, lui aussi, me racontait, genre, je parlais exactement ça avec lui, puis il me racontait que lui, il est allé une fois à un coiffeur quand il était petit, ouais. Il l'avait raté. Depuis ce jour-là, il s'était dit, parce qu'il voulait déjà être coiffeur, lui, quand il était petit, barber, il s'était dit, depuis ce jour-là, il s'était dit, je veux... Personne ne coupe les cheveux comme ça. Ah, il s'est coupé moi. Si ça rate, au moins c'est moi je me suis raté, tu comprends? C'est pas quelqu'un d'autre. Ouais. Maintenant il se coupe les cheveux, il se fait les fêtes, il se coupe les cheveux lui-même. Comment il fait en arrière? C'est pas un miroir? Miroir. Puis il est fucking fort. Puis il fait ça depuis que. Je sais pas quel âge. Il se coupe les cheveux depuis que 15 ans, 16 ans. Tout ça. C'est impressionnant ça. Surtout avec le temps, tu sais, il devient meilleur. Je serais jamais coiffeur, mais le métier de coiffeur, ça, c'est quand même le fun. Ça fait de l'argent, hein? Ça paraît pas, là, mais tu sais que ça fait du cash. Ouais, c'était booké toute la journée, là. 30 quelques piastres la coupe, puis tu reçois du tip. Moi, le barber que je vais, si je veux un rendez-vous, faut que je le prenne 2 mois d'avance. En ce moment, si je veux un rendez-vous avec lui, le seul rendez-vous qui est disponible, c'est genre en mi-avril. Ça, là, ça veut dire qu'il fait genre 8 patients. Ouais, c'est ça veut dire. C'est tout minimum 30$. C'est-à-dire que, tu sais, ça, c'est des opportunités de travail que les gens, on dirait, ils prennent pas en compte, mais barber, là, c'est quelque chose pareil, hein. C'est, non, mais c'est le fun, genre, ils vivent leur belle vie. Ouais, non, mais tu peux être ici dans un studio avec de la bonne musique, tu parles avec ton client, tu crées des relations, exactement, genre. Puis tu fais des contacts qui font en sorte que tu peux gagner dans d'autres affaires aussi. Ah, fact. Comme les restaurateurs aussi.
Mais puis Barber, c'est vraiment genre. Il y a tout le temps une bonne ambiance. Peut-être que tu vas avoir des journées où tu vas être moins. Tu vas être plus fatigué, que tu n'auras pas envie de. Mais les gens sont tout le temps de bonne ambiance. Puis tu changes. Tu sais, comme on dit, ça change ta vie, ça change ta façon, ta confiance. Quand tu quittes, tu vois que le gars, il est content, il est en confiance. Oh, ouais, tu peux pas être malheureux, vraiment. Oh, ouais, c'est un bon sentiment. C'est gratifiant. C'est vraiment gratifiant. Hein. Donc, sur ce point-là. Moi, parfois, j'ai envie d'être barber, genre oui, juste un side hustle. Serais-tu un side hustle de barber? Tellement, man. Je serais malade. Genre, moi, le jour où je vais percer, je vais faire mon salon de barbier. Je vais pas être dedans, mais au moins, j'aurai mon salon. C'est pas moi qui vais couper les cheveux, mais. Au moins, ça va ton salon. Ce serait vraiment nice. Tu sais, pis aussi, il y a une culture à ça. Il y a de quoi. Tu rentres là-bas, tu. En tout cas, moi, quand je rentre à mon barbier, je rentre. Je salue tout le monde qui est là, même si je connais pas, tu vois, tout le monde, que ce soit les clients qui attendent. Puis il y a déjà une ambiance, on écoute de la musique, parfois il y a des matchs de foot. De foot, on regarde les matchs, il y a quelque chose. C'est ça, il y a vraiment un bon partage. C'est comme un événement. Ben littéralement, tu sais, moi, je me rappelle, on était. Je pense que c'était proche du jour de l'an, là. Ouais. Puis on était une couple d'amis, on était quand même jeunes, j'étais avec Ziad, avec plein d'amis. On est tous allés se couper les cheveux. Puis à l'époque, c'était sans rendez-vous. C'était un barber là. C'était un barber là. Là, il est rendu du pied. Là, il est rendu. Le cut-off. Puis, c'était sans rendez-vous. Puis, nous, comme on était encore jeunes, on payait genre 20 ou 25 à la place de je sais pas combien. Puis, on est resté là toute la journée. On est chill. Parce que il y avait tellement de gens. Puis, c'est 30 minutes une coupe. Oh, ok. Vous avez attendu. On a attendu, sauf que on a même pas. C'était même pas senti comme de l'attente. Genre, on a passé une belle journée. Okay. On était assis, on rigolait avec les gens. On a fait du fun, puis jusqu'à ce qu'on s'est tous fait couper les cheveux, puis on est parti après ça. Genre, je pense qu'on est arrivé là-bas à midi, puis je suis reparti à 8h. C'est quand même fou, ça. En fait, c'est vraiment fou. Puis ça, c'est ça, sans rendez-vous. Hein. C'est ça que ça fait. Mais ça existe sur le fond, des affaires sans rendez-vous? Ouais, ben, il y a plusieurs barbiers dans ce même barbershop, là. Ouais. Il y en a qui sont sans rendez-vous, il y en a qui sont. Parce que tu sais, à un moment donné, un coiffeur qui peut pas être booké, ben, il va faire sans rendez-vous. Il va faire. Comme lui, ce qu'il faisait, Au début, c'était juste sans rendez-vous. Ouais. Puis même pour le hustle, il restait là jusqu'à 3-4 heures du matin, comme ça, quand les gens ils sortaient du bord. Mais ça c'est respect. Genre, comment ça a fonctionné son affaire, tu peux juste être fier de lui. Hein. Puis, des gars, je puis après, il faisait sans rendez-vous, puis après, il faisait la semaine sans rendez-vous, la semaine avec rendez-vous, la fin de semaine sans rendez-vous. Après, il faisait juste une journée sans rendez-vous. Puis après, maintenant. Mais plus quand t'es booké au complet, ben c'est bien. Ouais, à un moment donné, les gens ils se battent pour avoir une place. Fait que c'est sûr que tu peux te permettre de faire sans rendez-vous. Tiens, j'ai des questions trivia pour toi. Pose-moi ça. Sur les cheveux. Quel pourcentage du corps est recouvert de cheveux, selon toi? 95. Arrête! J'ai des cheveux partout sur mon corps, je suis en train de penser que j'ai pas de cheveux. T'abuses. Ok, 73. Okay, la bonne réponse est 95. C'est littéralement, c'est 95 pins. Ça arrondit, là, mais. Ben, moi, j'ai mais en même temps, moi je trouve que c'est beaucoup. Mais ça, mais. Ben parce que j'y pense, j'ai pas de cheveux là, j'ai pas de cheveux en dessous de mes pieds. Mais moi j'ai. Sinon j'ai des cheveux partout, moi j'ai des cheveux sur mes épaules là. Ben, ça c'est tout du duvet, mais c'est des cheveux. Non, moi j'ai vraiment des cheveux. Hein. Puis, ouais, ouais. Genre moi j'ai des poilus. T'as ça dans le dos, j'en ai dans le dos, j'en ai dans le cou, j'en ai partout. T'as pas sur les fesses? Non. Ben sur les fesses un peu, sûrement. 95. 95. Mais moi je trouve ça beaucoup, mais. Exactement, 95. Ouais, ouais, je te testais voir si t'avais triché, genre. C'est la réponse, c'est juste là, fait que check pas. Ah ouais, il est vraiment ça. Non, non, non. C'est pour ça que j'ai dit 73 après, parce que je pensais que vu que t'as descendu, mais là, je te crois. Mais je sais vraiment, je tu l'as vu, fier de moi. Quel pourcentage de la population a les cheveux rouges, naturellement? Rouge naturellement? Ouais. 0,7. C'est impressionnant, je sais pas, je sors de où la statistique. 0,01. 4%. 4%? Tu sais que c'est immense. Mais personne sur 25. Au secondaire, dans une classe, t'avais un roux. Ok, roux, pas rouge. Ben, red hair. Ok. Ouais.
Ok, mais là c'est différent. Moi je te roux naturellement en 0.0001. Mais roux? Ouais, roux, j'aurais peut-être dit quelque chose en 2 ouais, à 5%. Ouais, moi je suis allé pour 2. 2, ouais, une personne sur 50. Mais c'est quand même. C'est peu une personne sur 50. Ben non. C'est pas beaucoup. Ok. Entre combien de cheveux? Mais il y a un range. Entre combien de cheveux par jour tu pousses sur ta tête? Entre 200 et 450. Là, t'es allé au fond des vrais. Entre 50 et 100. Mais c'est des nouveaux cheveux, genre. Okay, okay, imagine des, à genre des nouveaux pigments. Ouais, là. Genre, mais je pense que c'est ça, essentiellement. Ok. Parce que t'as littéralement des. T'as quoi? Tu vois des millions de cheveux. Ben, pas des millions, des. Pourquoi vous voyez ça? Des... Mais t'en as tellement, mais 5 à chaque jour, imagine, t'en as 100 à chaque jour, genre. Ouais, mais t'en fais aussi des cheveux. Ouais, aussi, ouais. Parce qu'il y a des voix, c'est ça. C'est comme, tu sais. Ah, attends! Attends, il y a un bug dans la question. Dans le fond, c'était combien de cheveux tu perds par jour? Fait que c'est 50 à 100 que tu perds. Fait que tu dois peut-être en avoir plus que ça. C'est ça. Jusqu'à abonner sa Switch. Ouais. J'attends que ça ne fasse plus. Ok, mais tu sais que ça m'a fait peur. T'as-tu peur d'avoir la calvitie? Moi, j'ai pas l'impression que j'aurai la calvitie. Parce que c'est du côté de ta mère. Mais. Ton père, il a beau ne pas avoir la calvitie, c'est faut que tu regardes. Mais mon grand-père. Faut que tu regardes la famille de ta mère. Mon grand-père, il a encore des cheveux. 110 ans. Il y a tous ses cheveux? Non, pas tous, mais c'est normal d'en perdre. Mais il y en a encore. J'en ai quand même assez. Parce que pas peur. Est-ce que tu sais à partir de quel âge est-ce qu'il a perdu ses cheveux? Peut-être 50 ou 60. Là. Ok, mais ça devrait être correct. Là, bon. Ouais. Parfois, ça skip une génération. Ouais. Ça va pas être moi, ça va pas être moi. Faut faire attention. Mais je te souhaite, moi, c'est écoute, je serais. Mais littéralement, moi si ça m'arrive, je vais juste aller en Turquie me faire des implants. Ouais. Je sais pas si je ferais ça. Moi, je ferais ça. Je ferais ça. Ou je dirais, si je peux aller chauve directement, genre je suis prêt à aller chauve dans ma vie. L'entre-deux est H fax. Si j'ai une bonne barbe, je vais chauve. J'ai une bonne barbe, je suis bien musclé, je vais chauve. Parlant de barbe, durant une vie, si tu tranches jamais la barbe, jamais, le average man, ok? Combien de long tu penses que ta barbe va être en pied? En pied? Ouais. Je suis pas très bon avec les pieds, mais... Un pied, c'est un 12 pouces. Toute ta vie? Ouais. Un pied, c'est un 12 pouces. Quatre pieds. Quatre pieds, jusque là. Ouais. Genre, la bonne réponse, selon ma statistique, 30 pieds. 30? Fait que genre, avant au mur, là, rien, là, genre. Ouais, en même temps, c'est... Si tu la coupes jamais. Jamais. Ça... Parce que dans le fond, ce que je lisais, c'est que ça pousse sans vraiment arrêter, genre. Par exemple, tes eyebrows, ils vont pas commencer à grossir, genre, mais il y a une certaine limite. Mais la barbe, ça continue pas mal essentiellement d'une façon linéaire, ouais. Genre. Fait que si tu le coupes jamais à un rythme X que tu pousses par année, genre, tu te rends à 30. Tu te rends à 30, puis c'est fou, ça. Si tu vis jusqu'à genre. C'est vrai que ça, en plus, ça pousse fucking vite. Genre, moi, là, ma barbe, elle a été rasée il y a 2 jours. Ouais. Puis c'est genre. On voit les marques repousser, ouais. Même. Ça veut dire que maintenant, je peux repousser une barbe en une semaine. Ouais. T'as-tu hâte donc? En fait, t'as déjà une barbe. Moi, j'ai déjà une barbe. Là, je voulais pas la raser. Je voulais juste qu'il me la taille, mais il l'a rasée. Mais c'est pas grave. Je sais rien. J'ai mon petit bout. Même ça, j'ai pensé à le couper. Là, vu que ça a déjà repoussé. Mais en tout cas, mais moi, j'ai hâte d'avoir une barbe con. Genre, j'ai une barbe. Puis j'aime ça aussi le style, genre, de la barbe de 3 jours. Genre la barbe qui est pas thick, qui est juste qui pousse un peu. Ouais. La barbe rasée au 3 jours. Ouais, exact. Ouais, bon, moi, je veux avoir ça. J'ai hâte d'avoir ça. 25 ans, je sais quoi, c'est ça que j'ai. Ah, ça, toi, t'es bien parti. Mais moi, j'ai beaucoup de testostérone. Tu t'es fait tester? Ou tu sens ça ton cul? Non, mais parce que j'ai beaucoup de poils qui poussent sur le corps. Ça a rapport avec la testostérone. La corrélation est pas directe, mais. Ben, pas mal. Mais ça dépend. Mais oui, plus t'as de high test, plus tu vas avoir de. Mais on préfère un test live, ça se peut que j'ai plus de testostérone que toi, ou chez moi, que j'ai cheveux. C'est peut-être probablement plus probable que t'en aies plus vu que t'as plus de cheveux. Ben c'est ça. Mais ça veut pas tout dire, parfois. Il y a aussi il y a plein de choses qui jouent là-dedans. Là. Je sais que c'est la libido aussi. Moi, je sais que je suis quelqu'un avec une forte libido. Ça joue avec la testostérone. Ouais? Ouais. Ben oui, moi ça, aussi, je te dirais que j'ai une autre libido aussi. Ça c'est directement corrélé à la. Je pense que je me suis pas mal débrouillé.
T'as déjà fini? Non, non, non. Bon, on avance vite dans les sections. Là, on va aborder la section actualité. Tu sais, on faisait ça dans le temps, dans les 10 premiers max. C'est ça, on faisait les. Ouais, on a fait le coup. Puis là, tu sais, il y a eu des grosses nouvelles qui sont sorties, mais une couple de choses. Tu sais, on peut en parler. Premièrement, Adam, je sais pas si t'as vu, mais c'est en fait, c'est sûr que t'as vu ça sur TikTok, sur les internets. Le Apple Vision Pro. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que ça. Ben, mon frère m'en a beaucoup parlé. Ouais. Et en soi, c'est une révolution de l'âge moderne. Parce que live, tu vois, on est encore tôt, donc les gens n'ont pas ça, mais on pourrait arriver à un point où tout passerait par ça. Ça veut dire, genre, vraiment, vraiment, vraiment tout. Pourquoi? Parce que c'est moins cher, le virtuel. Ça veut dire que des concerts, puis c'est tellement immersif que des concerts, avoir une place en vrai dans un concert, ça coûterait fucking cher. Puis il y aurait un million, infinies places virtuelles. Allez. Parce que tu mets ton casque, puis c'est comme la vraie vie. Ah ouais. Enfin, ça fait juste on va être dans un monde immatériel, genre. Mais en même temps, il y a quelque chose que j'aime vraiment fondamentalement pas avec ça. D'un, tu vois du monde qui promène ça dans la rue, genre, tu vois pas leurs yeux, genre. Ouais. Ça, je comprends, ça, c'est fucked up. Moi, je suis d'accord aussi que c'est comme, c'est très poussé, mais je pense pas qu'il faut être contre ça. Je pense que c'est. Ben, ça, c'est sûr que c'est inévitable. Mieux vaut l'embrasser que essayer de le rejeter. Mais en même temps, c'est vraiment nice. Genre là, je pourrais avoir, ben là, tu me coupes les cheveux peut-être pas, là, mais je pourrais avoir mes écrans là, genre, c'est quand même vraiment fou. Je sais pas, c'est impressionnant qu'ils font ça. Moi, j'ai aucune idée quand ils font ça. Genre, tu peux vraiment révolutionner. Puis moi, ce que je trouve vraiment impressionnant aussi, c'est dans l'écoute des films. Moi, j'écoute beaucoup de films, j'aime vraiment ça. Tu peux être tellement dans le film là, avec ça. Ah ouais. T'es littéralement ouais, dans le film. Ah ouais. Ça, c'est des. C'est des expériences. Ouais, ouais, c'est ça. Check la caméra. C'est pas vrai qu'elle est quoi. Ah ouais. Parfait. C'est business. Puis, non, ouais, ça, je suis d'accord. Que comme. C'est vraiment des expériences de fou, là. Par contre. On voit un aspect négatif. Que je voulais aborder, j'ai oublié. Ça va me rendre. En même temps, t'as un écran 100% de la journée devant les yeux, ça va pas être fabuleux. Ouais, mais. On a déjà un écran 100% du temps dans la journée. Ouais, mais là, c'est collé à tes yeux, genre, tu sais. Il est collé à nos yeux aussi. Ça, je pense pas que ça change grand chose, honnêtement. Mais quand même. Ben, oui et non. On est tout le temps face à des écrans, on est tout le temps face à la lumière bleue. À quel point ça change de quoi, je sais pas, c'est sûr que ça va changer un petit peu, mais. Genre. On est déjà tellement sur des écrans que. La différence c'est pas majeur. Ouais, c'est ça que je me dis. Sinon, j'ai vu genre un TikTok justement. De Anto Tran qui disait pourquoi ton boss devrait accepter que tu travailles avec un Apple Vision Pro. Et exemple, t'es là, genre, il est au pizza Saint-Jacques-le-Vin, puis il te met une vidéo ouais, de comment faire une pizza. Ouais. Et c'est tellement genre. Ça va changer tellement d'affaires, oui. Comme l'accès à l'information. Là, c'est plus sur ton site, tu as le Google, tu peux genre l'avoir sur une page, puis le voir, en même temps de voir la réalité, genre. C'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Mais en même temps, il y a des trucs qui sont. Genre, j'ai vu quelqu'un qui l'utilisait pour se balader en ville, genre pour son chemin. Ouais. Ça, je trouve ça un peu inutile. Hein. Genre, après, il y a quelqu'un qui a tweeté, imagine si tu peux l'avoir sur ta main, genre. Ouais. C'est ton site. Ouais, ça sert à il y a des affaires aussi comme ça qui sont comme. Ça fait penser un peu à dystopie en même temps. Mais c'est le futur. Ouais, c'est vrai que c'est un peu dystopique. Genre, imagine que tout le monde marche avec ça dans la rue, genre. Je suis le seul qui marche pas avec ça. Mais genre, en même temps, dis-toi, c'est comme un peu. Parce que moi, je vais essayer de faire la comparaison avec l'histoire. Parce que l'histoire, là, ça fait juste nous dire qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Ça dépend. Si tu connais ton histoire, t'es capable de connaître un peu plus ton futur parce que la vie c'est des cycles, c'est des trucs qui se répètent. Puis ça, l'histoire nous a prouvé ça. Ouais, ça c'est sûr que c'est avec des évolutions, c'est tout le temps différent, tu reviens pas à la même chose, mais ça se ressemble. Et c'est comme les gens avant les téléphones, aujourd'hui avec les téléphones, maintenant c'est normalisé, mais avant ils étaient genre. What the fuck? Ouais. Non, je suis d'accord. Fait que cet aspect-là que je suis genre. Bon, dis-moi que c'est un step. Ouais, non, c'est pas tant un step de plus en soi. C'est la même. Ah, eux. C'est la même affaire. Même affaire, pour moi, c'est le même niveau de step. Tu penses que la technologie va être. Imagine qu'avoir 80 ans, genre.
Imagine, c'est rendu nous qui est déconnecté de la technologie. Mais en même temps, moi j'ai l'impression que je suis assez proche parce que passer de non-technologie à la technologie, c'est plus, c'est différent de passer de technologie à technologie. Ouais, ouais. Tu comprends? Ouais. Genre, les vieux aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont jamais eu la technologie. Nous, on a eu la technologie, je sais pas à quel moment est-ce que je vais arrêter de K-pop. Mais moi, je pense, j'ai l'impression que je vais K-pop à tout jamais. Moi aussi. J'ai cette impression-là. J'ai vraiment le feeling que ça va jamais être. Je vais tout le temps être à l'aise avec la technologie parce que j'ai grandi dans la technologie, je suis né avec la technologie. Ouais, je suis d'accord avec toi. En même temps, il y avait déjà du monde de notre âge qui connaît. En fait, la plupart des gens de notre âge ont déjà de la misère avec cette technologie-là. Ouais, mais c'est sûr. Puis c'est ça aussi, c'est que juste, on est bon avec les technologies. Ouais, c'est on est. Moi, je suis un geek. Moi, j'étais longtemps un geek. Tout d'un coup, je suis un geek. Fait que, genre. Ça fait en sorte que je connais et je connais plus que la majorité des gens. Déjà aujourd'hui, c'est pour ça que moi je me dis que. Tu comprends? Moi je sais comment ça marche à l'ordi. Comment. Il y a plein de choses que. Je me débrouille. Et pourtant c'est tellement facile, c'est juste que les gens n'ont jamais été intéressés vers ça. Genre, il n'y a rien que je fais qui est difficile. Tu comprends? C'est la base. Je connais la base, mais les gens ils connaissent même pas la base. Fait que. Il y a un nouveau changement de sujet. Je ne sais pas à quel point on peut dire un peu là-dessus, là, mais les élections américaines approchent, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qui tu penses? Je ne peux pas savoir qui tu comptes puis quelle vision tu préfères. Qui tu penses qui va gagner? Mais qu'est-ce que tu penses des. Tu sais que ça va être encore en soi du Trump et Biden? Ça va être Trump et Biden? Ben essentiellement, ouais. Moi je pense. T'as pas une grande opinion là-dessus. Je m'y connais tellement pas assez pour. Mais j'ai fini le fait d'ailleurs. Ouais? Non? Moi je m'y connais zéro, mais de ce que je connais de base, genre, c'est fou que le système politique, genre, c'est deux, en soi, là, c'est pas des incompétents, là, mais c'est deux, genre. C'est pas le top pour le moins pire. C'est ça, t'as pas le meilleur, t'as deux pires, faut que tu choisisses entre les deux pires, genre. Prendre le moins pire, c'est tout le temps ça, la politique, que ce soit au Québec, en France, ou n'importe quoi. Puis l'affaire avec ça, genre, moi je suis plus les élections en France, puisque. Puis c'est aussi, comme je te disais avec la technologie, moi, genre, on va dire que ma deuxième culture, c'est quasiment comme, ou disons ma troisième culture, c'est quasiment la culture française. Parce que j'ai tellement été en ligne, puis j'ai tellement été, genre, connecté à la France, que moi, là, je connais mieux la politique française que la politique au Canada. Ouais, c'est quand même fou, ça. C'est vraiment fou. Puis, ça fait en sorte que, comme, aujourd'hui, puis peut-être ça se reflète dans ma représentation du monde, puis dans. Qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Ouais. Mais la droite commence à reprendre la force. Ouais, je suis d'accord avec ça. La droite, on dirait, prend la force. Et ce qui est dangereux par contre, c'est que l'extrême droite prend la force. C'est vraiment juste les extrêmes qui gâchent tout pour tout. Genre, la gauche en soi, c'est tellement un beau message, mais l'extrême gauche, elle gâche. Puis la droite aussi. Genre, fait que le monde sont pas capables de voir le tabarnouche de milieu qui a des compromis des deux bords, puis qui a du mais comme faut, ouais, c'est comme moi je suis d'accord avec l'idée qu'il faut pas être centré. Dans quel sens? Dans le sens où tu peux pas être au centre. Faut que tu il y a un parti politique. Ouais. Tu comprends? Ouais. Mais surtout en tant qu'immigrant puis en tant que musulman, voir l'extrême droite prendre du pouvoir, ça fait peur parce que quand je regarde la France. Eux, ils sont contre tout ça, hein. contre nous directement. Puis ils le disent ouvertement, mais ça passe à la télé. Pourquoi? Parce que comme les gens ils sont de plus en plus d'accord avec ces idéologies-là, ils peuvent dire encore plus de dinguerie. Puis ça fait peur. Pourquoi? Parce que... Mais c'est fou, c'est l'histoire qui se répète. Hein. Je connais tellement de gens super réfléchis. Super, c'est du monde que je considère très intelligent. Mais ils sont racistes. Mm-hmm. Puis je comprends pas, parce que en soi, là, c'est juste. C'est moi, pourquoi je suis pas raciste, c'est à cause que je réfléchis. Ah, Adam, c'est mon ami. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre la couleur de... Il y a rien, il y a pas de liaison. Il y a rien. Puis c'est absurde de penser ça. Puis qu'il y a une majorité de la population, par exemple en France, tu dis, qui pense de même ou qui prend pouvoir. Puis c'est genre eux qui vont se faire élire. Ça fait peur sur les gens là-bas. Hein? Ouais. C'est vrai, surtout que la police là-bas, elle tue. C'est une police qui tue. Un peu plus comme les Américains, genre. Comme les Américains, c'est une police qui tue.
Il y en a-tu beaucoup en France des immigrants comme ça? Ben oui. Mais des immigrants de base. Ah oui, oui, oui. Ou c'est très français, genre. Non, il y en a beaucoup des immigrants. C'est pour ça que. Tu comprends? Mais c'est quoi, attends, si tu peux me résumer globalement, pourquoi. C'est genre, pourquoi ils. C'est quoi, exemple, la télé, ils disent quoi? Ils disent on veut sortir des immigrants à déjà, cause déjà, de... un des débats qui dure depuis des années, c'est le port du voile. Tu vois, ils veulent pas que les gens portent le voile. Ah. C'est genre, les femmes sont soumises. Ensuite. La délinquance, dans les, ils disent que les, c'est des délinquants, des quartiers, naninana. Puis, ils veulent juste, tu sais, aussi, y a, oh, ils viennent ici, ils travaillent pas, ils viennent ici, ils prennent notre. Ils changent nos blowjobs. Non, mais la culture, la culture française disparaît, tu comprends? Le pire, c'est que tous les politiciens qui sont comme ça, genre, probablement, il y en a plein que c'est des politiciens avec des origines maghrébines ou des origines. Tu comprends? Ouais, hypocrite. Genre Éric Zemmour. Zemmour, c'est arabe. Rachida Dati, c'est arabe. Et pourtant, ils sont contre ça. Mais c'est fou, mais genre, dire que c'est des délinquants, c'est absurde. C'est à cause que la raison est qu'ils sont des délinquants, exemple, c'est à côté là. La société est plus coupable envers le criminel que le criminel est envers la société. C'est que si on fait immigrer, on va dire, des millions de gens de toutes sortes de pays, mais qui ont donné aucune infrastructure, ils rentrent dans le pays, puis ils sont pas capables de les aider, genre, de leur apprendre la langue, leur donner des travails, justement. C'est sûr qu'ils vont vous donner des délinquants, là. C'est pas de leur faute, là. C'est la société. Ils doivent se débrouiller, ils doivent trouver un moyen de. Tu comprends? Et même quand ils veulent pas être un délinquant, ça les prend pour des délinquants, tu comprends? Ouais. C'est un peu... Mais c'est ça, je disais le concept de stéréotype, que je trouve ça calme. Parce que stéréotype, c'est stupide. Est-ce que tu veux qu'on coupe un peu en avant? Ouais, à peine. Mais à peine. Coupe les points. Tu sais, garde-toi, là. Mais coupe vraiment les points. Wouhou! J'en avais des cheveux, faisais un bout, je vais couper les cheveux dedans. T'as beaucoup de cheveux. Peut-être que moi j'en parle pas 50 à 100 cheveux par jour. Non, mais ils sont juste longs. C'est pas que t'as juste pas. T'as beaucoup de cheveux longs. Tabarnache, c'est des bons morceaux que tu me coupes. Non, mais c'est vraiment, je pense que je t'ai fait une très belle coupe. Ouais? Je suis vraiment fier. C'est toi tes meilleurs? Ça va bien paraître. Ouais. Ça va bien paraître pour tes futurs clients. Je te coupe du top parce que. Pour que ce soit égal. Parce que c'était vraiment trop long. Ouais, je suis quand c'est là. En avant. Tu veux vraiment? Très clean. Je peux pas dire que c'est pas mal. Extérieur, vous avez besoin de des cheveux. C'est comme si j'étais au barbershop. Au barbershop, il y a des lumières derrière en plus. Mm-hmm. Ouf! Hey Chris, t'as des cheveux. T'as parlé, ça va arriver, man. Il était trop. Tu sais quand il était trop lousse. Ah, ça me fait parce que d'habitude, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent. Ils mettent un bandeau. Ouais, regarde. Bon, mais. C'est ce qui termine l'épisode? Ouais, mais on a pas mal. C'était au niveau du timing parfait. Alors, ça, on a eu le temps de. C'est arrivé à la fin, il y avait un petit sujet qui manquait. Puis j'en avais d'autres en tête, mais ça a été parfait. Ça a été super le fun. Merci d'avoir coupé les cheveux. T'es satisfait? Bon, ben, on se revoit dans deux semaines.